Humanity survived. Our ancestors have destroyed the world, and we had to pay the price. With over 100 years without sunlight. Oh, les petits nounours, il est mignon. But we have prepared ourselves. Mais qu'est-ce qu'il fout là? For our chance to make things right. They stole from us a life of happiness. Still, we will make the best of it. Even though Mother Earth is grim and tainted, we have managed to survive. And we will keep surviving. World Apart, c'était pas le groupe le nom d'un groupe de musique à un temps lointain, non? Bref. Donc voilà, on va faire une petite découverte, la découverte de End Zone World Apart, qui pour moi, point de vue DA, donc apparemment ça a l'air radiation, tout ça, il faut survivre, créer sa vie et créer son petit monde, gérer. Je n'ai aucune idée du stade de développement du jeu, j'ai aucune idée de ce qui peut être, mais d'après Steam, le jeu est assez suivi, il y a pas mal de mises à jour. Bah voilà, apparemment ils ont déjà... Ça va un petit peu fort peut-être. Attendez, on va baisser un petit peu le son. Voilà. Ils rajoutent pas mal de contenu. Un peu comme Surviving the Aftermath, ça me fait beaucoup penser à celui-là. Déjà l'autre me faisait penser, mais celui-ci encore plus. Où ils rajoutent pas mal de contenu et le jeu est assez suivi par les développeurs. Donc à voir un peu ce qu'il en est. Afficher la période, on va la laisser afficher. Mise à jour de contenu, bâtiment et amélioration supplémentaire, mission secondaire supplémentaire, scénario supplémentaire. Donc il y a déjà des choses et ils vont en rajouter plus. Donc on va avoir une idée globale du jeu et il y aura plus de variétés plus tard, j'ai l'impression. Donc voilà, et apparemment il y a l'air d'avoir encore d'autres choses après juin qui vont sortir sur le jeu. Donc pourquoi pas. Message important. Chers survivants, bienvenue dans l'accès anticipé de Endzone. Alors ça c'est à mon avis, c'est pas par rapport au jeu, c'est par rapport aux développeurs. C'est un accès anticipé, donc bien entendu il y aura des problèmes, il faudra faire attention et accepter ce genre de choses. On l'accepte hein, quand on joue en accès anticipé de rencontrer des soucis, bien entendu. Nouvelle partie, nous sommes en tutoriel, mode survie ou scénario. On va faire le tutoriel quand même, pour bien comprendre le jeu. Suivez les instructions d'Arthur Shouchin. Pour obtenir des indices importants et des informations utiles afin de survivre dans le monde cruel d'Endzone, A World Apart. Ok, allons-y. On va faire le tuto. En fait, si on doit faire survivre des gens, autant avoir un petit cours avant, hein, pas les tuer tout de suite. J'aime beaucoup la DA par contre, je trouve les dessins et tout super agréable, super sympathique. Quand on voit les bâtiments comme ça, un peu des bâtiments avec du recyclé, ça me fait vraiment plus penser à... ce que sera vraiment un jeu de survie ou un jeu, enfin ce que seraient vraiment les bâtiments dans ces conditions là en fait. Un nouveau départ. Nous avons enfin abandonné le précipice. Donc apparemment c'est un truc qui était sous-sol dans lequel ils étaient. Regardez ces magnifiques paysages, c'est merveilleux, quoique légèrement différent de ce à quoi nous nous attendions. Nous avons réussi à mettre à l'abri quelques ressources essentielles dans notre bus. Construisons nous un nouveau foyer. I'm glad we prepared ourselves well for this kind of scenario, especially since our inventories in the end zone ran low. OK. Heureusement que nous étions préparés pour ce scénario.
Et il faut qu'il arrête de parler, hein, sinon ça ne va pas se passer. Heureusement que nous étions préparés pour ce scénario, d'autant plus que notre précipice commençait à être à court de stock. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, sur quoi que ce soit, consultez votre guide de survie. Notre guide de survie, c'est ça, c'est ça ? Nos tâches. Ouvrir le guide de survie, c'est ici. Guide de survie, tutoriel, ouvrir le guide de survie. Très bien, alors on va pas lire tout ça, j'imagine qu'ils vont un peu nous aider. Hein. Bien joué. Tout ce qu'il faut savoir devrait s'y trouver. Maintenant, bâtissons notre nouveau foyer. Compris. C'est un peu ennuyant que le monsieur il papote en même temps que moi là. Parce que j'ai toujours tendance à vouloir l'écouter. Alors est-ce que dans les sons on peut... On va enlever sa voix, c'est une voix en anglais de toute façon, moi ça m'intéresserait, mais vous de toute façon vous allez pas, vous allez plutôt m'écouter plutôt que lui, donc on va faire ça. Avant de pouvoir construire un quelconque bâtiment, nous devons demander à certaines personnes d'assumer la profession de constructeur. En général, il vous appartient de décider quels sont les métiers importants. Vous établissez vos priorités avec soin et répartissez-les au sein de votre population. C'est un peu comme dans tous les jeux de gestion. Hein. Et ça, c'est assez intéressant de pouvoir le faire. C'est vrai que ça manque sur certains jeux. Donc constructeur, on en a 10. Je sais pas combien on va en mettre. On va en mettre 2 pour le moment. Un colon. Ah ben 1. Ok, très bien. On pourra le changer. Bien. Vos constructeurs sont prêts à travailler dès qu'ils reçoivent une tâche de construction. Maintenant, concentrons-nous sur nos besoins le plus essentiel, l'eau. Entendu. Pour commencer, nous allons devoir construire un système d'approvisionnement en eau, très réaliste pour un jeu. Ensuite, nous s'enchaînerons avec notre première tâche de construction. Placez et construisez appontement sur le lac proche de votre centre communal. Donc c'est quoi le centre communal? Tu me fais rire. Centre communal, ça doit être ça mon centre communal, j'imagine, le bus? Construction, j'imagine. Tutoriel. Non, ça c'est l'immunité. Où est-ce qu'on construit ici? Très bien. Appontement. Rotationner avec R, j'imagine que soit doigt. Très bien. Alors où est-ce qu'on va le placer? On va essayer de le placer correctement. Ah, comme ça, ça me paraît pas mal. Allons-y. Ouvrez le menu bâtiment. Accepter, signer. Bâtiment, appointement, construit. Ok, donc on va remettre play parce qu'il doit falloir me construire celui-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 personnes pour la construction. 2 sur 8, ça me paraît pas trop mal. Et en même temps, les zones ne feront rien pendant ce temps-là. Donc on va en mettre 5 pour le moment. Et on va enlever ça, c'est plus joli si... Je peux en sélectionner plusieurs en faisant ça? Non, je peux pas en sélectionner plusieurs. Vous savez quoi? Allez, bougez-vous tous les fesses et allez tous me construire des trucs là-bas, ou sinon ce n'est pas pratique. On doit attendre que eux se bougent les fesses. Il y en a que 2 qui vont. D'accord. Bon, bah il y en a que 2 qui vont. On peut peut-être aller plus vite. Donc lui, il a cassé le temps 2. Très bien. Très bien, l'appointement a été terminé selon les prévisions. Nous avons maintenant un endroit où obtenir de l'eau. Il y a d'autres moyens d'obtenir de l'eau, mais l'appointement est le plus simple et rentable. La citerne est capable de stocker de l'eau provenant de différentes sources comme l'appointement, les collecteurs d'eau de pluie et les puits. Elle doit se trouver à proximité d'une source afin d'éviter à avoir à parcourir de grandes distances. Allons-y. Donc on va aller faire une citerne. On doit construire une citerne et assigner des colons à la profession porteur d'eau. Ah ouais, donc on va voir mettre des gens qui vont faire que ça. Très bien. Est-ce qu'on peut bouger l'orientation de la map? Non, on peut pas aller voir plus du haut, plus du bas ou quoi que ce soit. Citerne, du coup. On va mettre la citerne plutôt comme ça, on va dire. On mettra une route. Une route de 2. Ça me paraît bien. J'imagine que la petite barre qu'il y a là... C'est la petite barre verte, j'imagine que c'est la barre route. On dirait, on va penser que... Hein. Et assigner 3 porteurs d'eau. Très bien. Et produire 100 eau. Récompense, on aura 200 eau. Ouais, vas-y, allez-y. Tant qu'on y est.
Et ils font quoi, eux, là? Jeune adulte, il a de la vie, radiation. Profession actuelle, colon. Confiance en soi. Plus un de confiance en soi, plus un de confiance en soi. Pas trop malheureuse, badge de colon, n'a pas encore reçu de badge. Déplace des ressources. Elle a des outils. Elle a un vêtement qui s'use. Ok. Jeune adulte. Stockage en stock. Et les familles. Ah, apparemment, ça va être intéressant. Du coup, super. Nous avons un système d'approvisionnement en eau opérationnelle. Et l'eau est désormais transportée de l'appontement vers la citerne. Pensez à ajouter d'autres porteurs d'eau si vous avez suffisamment de personnes disponibles. Vous n'aurez jamais trop d'eau en réserve. J'imagine qu'il y a des moments... Où elle est Leïla? Leïla, elle vient de partir. Il fallait arriver en pré-live, elle était là. Entendu. Concentrons-nous à présent sur la production de nourriture. Il est primordial de mettre en place une source immédiate de nourriture. Une cabane de cueilleurs, une cabane de chasse et une cabane de pêche, par exemple. Je vous conseille de commencer par la cabane de pêche, étant donné la proximité du lac. Bien. Cabane de pêche, nourriture, cabane de pêche. Alors... Est-ce qu'on peut, par exemple... On peut pas. Je l'aurais bien mise pour que les routes... Vous voyez, elles soient en face de la route, mais on peut pas. Je crois qu'il y a un endroit où on peut le mettre seulement. Cabane de pêche. Bah, écoutez, on va le mettre là, hein, s'il y a un seul endroit. Voilà. Tant pis, on n'a pas vraiment le choix. Pour le moment, ils n'ont pas besoin d'aller avec des routes. J'imagine qu'il y a un moment où il faudra aller plus vite et... On va assigner deux. Est-ce qu'on peut... Ah, on peut pas bouger les celles-là. C'est dommage. J'aime bien d'avoir, vous savez, d'avoir en petit encart sur le côté les professions et pouvoir bouger comme ça assez facilement sans avoir à rentrer dans les menus et tout ça. Très bien. Bon travail. Notre source de nourriture a permis de satisfaire nos besoins primaires. Essayez d'avoir en permanence des réserves d'eau et de nourriture, surtout si vous développez votre colonie. Une population en plein essor peut rapidement mettre en péril votre solde d'eau et de nourriture. Population en plein essor peut rapidement... Ok, ne l'oubliez jamais. Alors où est-ce qu'on est? En eau, on a 1300. Donc en stock, 1300. En réserve, 0. Limite de production, 90 000. Alors ce que j'aimais bien sur Surviving the Aftermath, c'est qu'il te disait... Tu en produis autant, tu en consommes autant. Et ça, c'est vrai que c'est pratique par rapport à une consommation parce que tu ne sais jamais trop bah, où tu te situes par rapport à ce genre de choses. Eh bien, reste avec nous, Eden, et j'espère que tu passeras un bon moment. Ok, ça marche pour la table 12. Une pizza, 4 fromages, s'il vous plaît. 4 fromages, qui dit mieux. Bon travail, notre source de nourriture a permis de satisfaire nos besoins. Ok, ça, on l'avait lu. Les champs sont une excellente source de nourriture car les graines... pousse toute seule tant que le sol est humide. Chaque grain a un rendement et un temps de pousse différent. Il faudra donc de temps en temps, avant qu'un champ soit prêt à la récolte, à la différence de notre cabane de pêche où la nourriture est directement disponible. Entendu. C'est bien d'avoir les deux du coup. On va faire... Ah, on peut faire la taille de champ qu'on a envie? C'est vrai? Le niveau d'irrigation du sol a une influence sur ce bâtiment. Champ cultivé fournit la nourriture grâce à la récolte. Bien que la création d'un champ ne coûte rien, il faut du temps pour les cultures. Ok, alors attendez, il y a un truc. Il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? La réserve de ce bâtiment est presque vide. Ben, remplis-le, j'ai envie de dire. Il y a des gens, ils vont le remplir. Hop, pause. On va mettre pause. Je sais pas si on peut les mettre... On peut les mettre où on veut, les champs. Bâtiment, champ cultivé, construit, assigner des colons, fermiers. Alors, on va assigner un colon fermier. Je peux pas. On doit d'abord faire le champ, d'abord. Ok, d'accord. Alors, faisons le champ. Et le champ, vu que ça dépend... Alors, il y a un minimum de taille pour les champs. 6 sur 6. Si on commençait par un 6 sur 6 avant d'aller plus loin, pour voir pour le moment, je pense que ce serait pas mal. On pourra peut-être pas les bouger après, par contre. On va essayer un 6 sur...
Ah! C'est irradié là-bas apparemment. Vas-y, allons voir un peu ce qui se passe. Bah, il m'a pas interdit de construire le truc, si? Ah, décontaminé. Désactiver la production. Très bien. Ah, ils peuvent décontaminer les zones. Nickel. Alors, est-ce qu'il me dit c'est quoi le point d'interrogation? Aucune graine sélectionnée. Très bien. Et comment est-ce qu'on sélectionne la graine? Choisir une graine. Et on doit mettre quoi? On s'en fout de quoi mettre. Choux. Les choux se récoltent dans les champs. Et les poivrons se récoltent dans les champs. Temps de pousse. 1.9. 0.2. 36 de nourriture. On va commencer par des poivrons pour le moment. Ça ira plus vite. Donc voilà. Jolie, n'oubliez pas que nous avons besoin de différents types de nourriture pour rester en bonne santé. Vous devrez également prévoir des périodes de sécheresse et des saisons sans pluie. Faites des réserves de nourriture ou équilibrez vos productions pour éviter les pénuries plus tard. Je vous montrerai des stratégies plus élaborées. Entendu. Au départ, nous n'avons pas beaucoup de débris, bois et autres ressources. Nous pourrions construire un bâtiment de production, mais pour trouver des matériaux bruts rapidement, nous devons commencer à collecter tout de suite. Assigner des tâches pour récupérer différentes ressources. Les colons sans profession spécifique réalisent ce type de tâches et répartissent les ressources dans votre colonie. Donc apparemment, si jamais on ne donne pas à ces trois-là de boulot, eh bien, ils vont récupérer les ressources. Un peu comme Surviving, j'imagine. Très bien. Alors, on va aller regarder un peu ce qui se passe. On voit qu'il est en train de planter... J'ai pas l'impression qu'il faut grand chose, hein, eux deux là. On va les mettre très bien. Alors, placer une tâche, récupérer du bois. Récupérer du bois. Et on va placer une tâche, récupérer du bois. On va mettre du bois là. On va récupérer du bois ici, j'imagine. Par là. Voilà. Récupérer des débris. On va... Alors, est-ce que ça est considéré comme débris? Oui, tout ça est considéré comme débris. On va récupérer ici, du coup. Et colons disponibles. 6 sur 3. Débris produit 15. Bon, j'ai retiré mes constructeurs. Pour le moment, on construit rien. Donc, ça sert à rien qu'il y en ait un qui reste à rien faire. Maintenant, je sais pas si jamais on lui met à 1. Est-ce qu'il va rester à rien faire parce qu'il construit rien? Ou du fait qu'il ne construit rien, il se dit bah, « Pendant que je construis rien, je vais avancer. » À voir. Coucou Vigos, avec ton petit coucou. Travaille bien, bon courage. Colon, ok d'accord. On va rester comme ça pour le moment. Et on va attendre que ça rentre. On va faire un petit tour de map en attendant. Ah, je peux pas? Ok. Il y a des animaux ici apparemment. J'aime beaucoup la DA, franchement. Et là, on a des colons sans abri, ok. Maintenant que nous avons plus de ressources en stock, nous pouvons construire des vrais bâtiments de production. Cela évitera d'avoir à donner des ordres manuellement. Les bâtiments de production sont plus faciles à gérer et vous permettent également d'obtenir davantage de ressources. Ne les placez pas trop loin du champ. Vous pourrez modifier leur zone de travail par la suite. Du camp, pardon. Ok, génial. Construisons une cabane de forestiers pour automatiser la collecte de ressources et la rendre plus efficace. Les forestiers peuvent abattre les arbres mais aussi reboiser les environs. Bien. On va mettre dans cette zone-ci tout ce qui va être forestier du coup. Cabane de forestiers. Ça va être dans ressources j'imagine. Forestiers. Pas trop loin du camp. Ben j'ai envie de la mettre ici en soi. Ce sera pas très très loin. On ne va pas la mettre trop loin non plus pour le moment. Le problème, c'est que là-bas... Je sais pas si... On va le mettre là. On va le mettre là. Parce que là-bas, on pourra pas aller plus loin. Il y a de la brique et il y a des pierres et autres. Donc on va le mettre là-bas pour le moment.
Alors, bâtiment forestier. Alors, par contre, on a besoin de constructeurs. On va le mettre. Et on a un nouveau colon. Ok, d'accord. 3 secondes. Et assigner des personnes au job de forestier. Très bien. On a déjà produit le bois qu'il faut avec notre récolte. Vivi ! Bâtiment construit. Et on va mettre 2 constructeurs. Ça aidera. J'ai mis la route là, hein, on est d'accord ? Je crois. On augmente. Ah oui, en réserve 11. En réserve 29. Ça va. On a l'air d'avoir de la réserve en eau qui se fait. En réserve, on a 100 nourriture. Donc ça va. Le bois. Ok. On n'a pas de quoi là. Médicaments, d'étoffe, de métal, de plastique, de circuit et de charbon. En soi, les ressources normales. Hein. Requiert ruine. Modifier la zone. Bah, on va aller chercher ce qu'il y a là-bas. Ils ont fini. Oh, très bien, hein, pourquoi pas. Allez, vas-y. Va plus vite pour nous construire ce forestier. Très bien, bon travail. Vous pouvez également déplacer la zone de travail de cette installation par la suite et indiquer aux travailleurs où ils doivent se procurer du bois. Au fait, si vous voulez vous permettre ce luxe, dites à nos forestiers de se limiter à reboiser la zone et ainsi créer une forêt luxuriante pour les générations futures. Oui, alors plus tard, hein. Là on va peut-être avant, on va construire d'abord avant de penser au futur et nos oiseaux, tout ça, il faut qu'ils respirent. Hein, mais ça c'est rien de le dire, d'abord il faut survivre. Très bien, concentrons-nous à présent à la récupération de débris. Les débris sont une ressource précieuse parce qu'en nombre limité et parce que nous pouvons en tirer plusieurs autres ressources. À la différence des tâches précédentes, la casse permet également de démonter de plus grands tas de débris tels que des ruines et les épaves. Très bien. Et elle pourrait démonter tout ça par exemple, hein. Donc ce que je propose, c'est que la casse... Alors attendez, essayons de voir. Et on va devoir l'envoyer dans des zones plus loin. On va pas la mettre trop loin, mais pas trop près pour le moment non plus. Ça ne sert à rien de... On va rotationner, on va la mettre comme ça, je dirais. On va la mettre là. Ça me paraît bien. Elle est pas trop près. Elle est alignée là-dessus. Ça me paraît bien. Est-ce que je peux la déplacer ou pas? Attends, annuler la construction. Je voudrais juste... Est-ce qu'on garde les ressources ou pas? Je vais regarder. On va juste en fait faire... Qu'elle ne soit pas... Parce qu'elle fait pas la même taille que le bâtiment là-bas au-dessus. C'est bien. Comme ça, on pourra tirer une route, tout simplement. Alors, c'est quoi le problème? La ressource du bâtiment est presque vide. Oui, bah, écoutez, hein... on n'en peut rien. Il faut le temps, là. Limite de production. On a une limite de production. Ok, on en produit 1100 sur 5000. Je pense que... on l'a pas forcément posé à l'endroit le plus... Bah le plus rentable, forcément, regardez, il y a la moitié de sa zone qui est même pas dans l'eau. On sait, on va subir une attaque à un moment de ce jeu. Bref, s'il y a un ennemi, aucune idée encore pour le moment, Agonos. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Alors, ramasser, on va assigner une personne, ok. Nickel, et on va accélérer que nos deux constructeurs y aillent. Alors attendez, c'est quoi ça? Ah, des petites bibiches. Je pense que l'environnement déjà va être quelque chose qui va être compliqué à gérer. C'est ça que j'aimais bien sur Surviving the Aftermath et j'espère que c'est ça qu'on va avoir ici. Super, vous pouvez aussi déplacer la zone de travail de ce bâtiment. Les débris peuvent être recyclés sous forme de 4 ressources différentes. Étoffe, on en a pas du tout. Métal, plastique et circuit. Donc pas de charbon, bon, ça me semble logique, et pas de remède. Ok, très bien.
Notre population réclame la construction d'un endroit où habiter. Les cabanes répondent à leurs besoins de sécurité et d'intimité, et cela a une influence positive sur leur confiance en soi. En d'autres termes, leur construire un domicile stimule la volonté et fonder une famille et de se reproduire. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, ils peuvent se reproduire, mais en cas de gros problèmes, les bébés, quick, on coupe. D'accord ? Je veux bien, mais on coupe après. Hein. Oui, cabane. Ah oui, quand même. Oui, cabane. Du bois, on a ce qu'il faut. Les débris, on a ce qu'il faut. Et ça, c'est des mines, des secondes, j'imagine. Très bien. Ouh. Ben, allons-y. Hein. Alors, est-ce que si je fais ça... Ça passe combien de trucs, ça? 1, 2, 3, 4, 5... Et... Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, parfait. Oh, parfait, ça. On va en mettre... Il n'y a pas combien il faudrait en mettre, en fait. J'imagine qu'il faudrait peut-être pas les mettre tout près, quand même. Mais je ne sais pas combien il faut laisser de place ici. On pourra pas les déplacer non plus, j'imagine. Allez, 1, 2... On va faire... comme ça... 4... Cinq, six, sept, huit. Bon, là, il y aura une petite zone à remettre correctement, hein, mais c'est pas grave. On va mettre trois constructeurs parce qu'il faut que toutes les cabanes soient construites. Alors, on a les ressources, on va faire six constructeurs et puis après, voilà. Oh, de limite de production. Vous croyez que dans les limites de production, il y a limite de production des bébés? Écharpe, masque en charbon actif, combinaison anti-radiation. Oh, c'est sympa tout ça là. Ah, sympa. Bon, je me spoil un petit peu, mais c'est bien. Google est ton ami. Mais on a pris le temps de t'expliquer, Hunter. En plus des cabanes, vous pouvez construire des maisons solides et des refuges comme lieu de vie. Les maisons solides résistent mieux aux tempêtes de sable et possèdent une capacité de stockage plus importante. Les enfants qui vivent dans des maisons en remplissent l'espace de stockage. Les refuges... D'accord. On stocke les enfants dans les maisons. C'est pourquoi pas. Ce ne sont pas absolument pas des ressources, les enfants. Des esclaves. Les refuges nous empêchent de nous reproduire car il manque d'intimité. C'est des refuges qu'on a là? Non, c'est des cabanes. Ok, d'accord. Donc on fait des refuges si tu veux pas qu'ils fassent de bébés. Ça me paraît bien. Après notre découverte des logements, concentrons-nous sur les débris. Ils peuvent être recyclés sous formes différentes. Les ressources à l'aide de centres de recyclage ou de raffinerie. Les centres de recyclage ne recyclent les débris qu'en une seule ressource. D'accord. Tandis que les raffineries les séparent automatiquement en quatre ressources. Donc plus intéressantes sur les raffineries. Commencer à construire un centre de recyclage et recycler des étoffes. Très bien. J'imagine qu'on ne peut pas... Est-ce que je peux faire les raffineries ou pas? Raffineries séparent simultanément les métaux. Il nous faut 12 de ça. 12 de métal. Mais j'imagine qu'il faut l'électricité ou des trucs dans le genre. Ou peut-être pas en vrai. Ouais, peut-être pas. Alors, on va mettre tout ce qui est production par ici. C'est quoi ça? Récupération de débris. Et ça, c'est pas un débris, ça? Ah, ils ont plus personne qui travaille dedans. Oui, pardon. Voilà. Et c'est quoi ça? Requiert ruine. Et ça, c'est quoi? Attends. Viens ici. Et ça, on peut pas récupérer? Ok. Bon, voilà. Et alors, le bois, récupération du bois. Ben, disons qu'on va le mettre là-dedans.
toit modifié, la zone, abattre et reboiser. Est-ce qu'on peut pas... Alors attendez, où est-ce qu'il est celui que je viens de placer? Toi là. Récupérer du bois. Ce serait peut-être intéressant de récupérer du bois là où on va mettre les choses. Ouais, par exemple... un petit peu ici. Là. Un petit peu ici pour se récupérer de la place. Plutôt que là-bas où lui, il est déjà en train de planter et tout ça. Raffineur. Pensez-le. Mais ne le dites pas. Voyons. Centre de recyclage. On l'a pas posé, le centre de recyclage, encore, du coup. Vous me faites faire des bêtises. C'était quoi, ce truc-là, là, qu'on avait mis? C'était rien, ça. On a dit de rien. Là-bas. C'est juste ça. Vous devez placer une case pour récupérer les matériaux de cette ruine. Je comprends pas pourquoi lui on peut pas le récupérer du coup là. Parce que c'est vrai que c'est un peu ennuyant d'avoir ça là. Voilà, on va faire ça en espérant qu'il aille là-bas. Donc je vais bien, merci. Juste pour info, je sais pas si tu sais, mais il y a des zones contaminées. Chut, spoilez pas les gens. Aucune idée. Je ne sais absolument pas, on découvrira. Bâtiment de recyclage. Ok, très bien, vas-y. On a des constructeurs. Assigner les colons à la profession de raffineur. Raffineur, on en met un. Et étoffe produite, on doit en produire 4. Ok. Toi, c'est quoi? La réserve de l'animal est presque vide. Construire et réparer, construire et réparer. Ok, très bien. Donc l'épave de bus, on a deux personnes qui travaillent, qui sont dedans. Donc ça, ce sont nos ressources. Les limites d'inventaire, donc c'est ce qu'on peut stocker dedans, pas mal. Et là, ah, saison actuelle, 59. Dernière saison. Donc on produisait un peu de poisson. Là on en a produit plus, moins 59. Donc, ah oui, on descend en fait en nourriture là. Faudrait peut-être faire plus. Sécheresse approche. Faites des réserves d'eau et de nourriture pour survivre. Le sol ne sera bientôt plus fertile. Ok, d'accord. Alors, pause. Va doucement. Est-ce qu'on peut mettre par exemple un champ en plus? C'est vrai qu'on avait fait un champ de 6 sur 6. C'est pas suffisant, hein, 6 sur 6 pour les champs. Voilà. On va mettre une personne dedans et choisir la graine. J'espère qu'on aura le temps, on va faire des choux. On va voir. Comme ça, on aura un qui fait choux et un qui fait graine. On va voir. Je viens d'avoir la danseuse sous chakram. Ah, GG Tishan. GG. Voilà, donc du coup, ça c'est bon. Vous pouvez demander au raffineur de changer la ressource fabriquée à tout moment. Il est important de se concentrer sur les ressources dont vous avez réellement besoin, du moins au début. L'étoffe et le métal semblent de bonnes options si vous voulez fabriquer de nouveaux outils et équipements de protection. Alors, par contre, oui, on va d'abord faire du métal. Ce serait intéressant de pouvoir faire... Il y a déjà 16 étoffes, on va faire un peu de métal. Compris. Les colons heureux sont des colons zélés. Nous voulons donc prendre soin de la population et de la protéger... Attends, on va mettre pause. Et de la protéger contre les menaces extérieures, telles que la radiation ambiante. Commençons à transformer l'étoffe fraîchement obtenue en équipe de protection. Un tailleur nous y aidera. En taille. Un bâtiment de tailleur. Alors, ça doit être dans ressources. Très bien. Et ça, par contre, on va pas le mettre très très loin... du centre, on pourrait le mettre ici, en vrai. Est-ce que les ressources sont stockées ici dedans? Est-ce qu'il y a un déplacement de ressources? Ça, ce serait une question intéressante à se poser. Ce serait une question intéressante à se poser, ça, par contre.
On va le mettre là. On verra. Donc là, c'est bon. Et on va avoir besoin d'un tailleur. On va essayer de les regarder tout doucement bouger. Point de vue de la réserve. Est-ce qu'on en a en réserve maintenant de l'eau? C'est pas énorme, hein, la réserve d'eau. On va mettre une personne en plus dessus. Ça veut dire qu'il nous reste un seul colon. Ce qui est pas trop trop grave en soi, parce qu'on a des, on en a qui collectent tout. Donc c'est pas plus mal. Et là... Ça se plante pas, c'est normal? On a l'impression qu'ils font des allers-retours quand même. Hein. Il y avait... Mais si, si, il y a les lignes de production. Ok, très bien. Donc eux vont chercher ici dedans. Donc, les trucs d'eau, c'est intéressant de ne pas les mettre trop trop loin des maisons. Eux ont déjà été servis, j'imagine. Très bien, récupérer du bois. Vous savez quoi? Je crois que ça, en fait, on va peut-être... Non, alors on va récupérer du bois un petit peu ici, pas trop. Voilà. Modifier la zone. Qu'il y a encore des débris dans la zone. Il y a les maisons là-bas, mais ça, il pourra aller les chercher. On va mettre ça là. Et toi, du coup... Ouais, il y a encore des trucs là. On va modifier et on va faire ça plutôt comme ça. Ok. Donc jusque là, c'est bon. Bâtiment tailleur, il n'est pas encore construit. En réserve, zéro. On monte en nourriture, mais en eau, on descend. On est zéro alors qu'on a mis une personne en plus. On a des enfants. Les enfants aident les familles à transporter la nourriture et l'eau jusque chez eux. C'est pratique, ça. Si, c'est bien. Et ils font travailler les enfants, mais des trucs encore assez, assez basiques, du style, bah, tu peux aller chercher la nourriture et la ramener. Point. C'est pas les parents qui doivent le faire, c'est pas mal. Les radiations ambiantes sont classées selon 4 niveaux d'intensité. Aucune radiation, faible, moyen et élevé. Ces niveaux changent fréquemment et dépendent de la météo et des nuages de pluie contaminés. Les équipements de protection nous protègent contre ce type de radiation, mais... Ok. Mais leur production est longue et nécessite un flux constant de nouvelles ressources. Essayez d'installer une chaîne de production le plus tôt possible et anticipez en faisant des réserves de ces ressources. Les outils venant de notre précipice s'abîment, construisons-en de nouveau. Les outils servent à travailler avec plus d'efficacité. Nous aurons besoin de métal. Ça tombe bien, on en produit. Préparons-nous en construisant un autre centre de recyclage et recyclons-y les débris. Ensuite, nous aurons besoin d'un atelier pour transformer le métal brut en nouveaux outils. Est-ce que je... Mais je peux pas en fait faire la raffinerie, ils veulent pas. Hein. Ok, d'accord, bah tant pis. On va la mettre ici en face. Et du coup, toi, tu retournes faire des étoffes, on en aura besoin. Et elle, on, la fera, on lui fera faire le fer. Très bien. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce petit... Limite de production de cette ressource atteinte. Ok, très bien. On a trop de bois. On a trop de bois. Comment est-ce que je peux... On peut pas améliorer celui-ci? On peut pas refaire un entrepôt? Alors, atelier. Mettrai l'atelier à côté. On avait mis le tailleur où? On a mis le tailleur. On a mis le tailleur là. Ben, on va mettre l'atelier ici, par exemple. Il y aura une place derrière, mais c'est pas grave. Il sera bien... Il sera bien aligné. Pas du début, Satisfactory, hein, pas de lag. Ben... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Ok. Pas du début, Satisfactory.
C'est dommage, moi j'aimais bien du début Satisfactory. Par contre, il nous faut des bébés là, hein, parce qu'on n'a plus de personnes qui travaillent du part. On n'a plus de personnes pour travailler. Hein. Est-ce que ça considère qu'une personne pour travailler? Non, ça considère personne. Ils y vont quand ils ont le temps. Ok, très bien. Et là, la même chose, elle y va quand elle a le temps. Là, encore des petites choses à ramasser. Très bien. Wow, il n'y a plus de lac. Mais on t'avait dit qu'il y avait... Ouais, on m'avait dit qu'il y avait une période de sécheresse, mais on m'avait pas dit qu'il y aurait plus de lac du tout. Mais... Ah oui! Avis! Ah non, en fait. Deux secondes, dans ce sens-là, c'est plutôt la vraie vue. Ah oui! Oui, ok, d'accord. Non, mais très bien, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas, plus d'eau. Mais après, l'eau, elle va réapparaître comme ça? C'est tranquille. Bon, bah, vous inquiétez pas, hein. Pour le moment, il n'y a pas d'eau, mais elle va retomber des cieux et elle va se remettre là-bas. C'est bizarre, hein, quand même. Quand même. Si tu prends ton eau pour faire un café, ben ramène-la-moi un petit peu vite, hein. Parce que là, je peux pas faire grand-chose. C'est grosse sécheresse, là. C'est ça. Ça a asséché tous les lacs de la map. Ça s'appelle de la sécheresse... Le centre de recyclage sur métal. Voilà, ça c'est fait. Et l'atelier sur outils en métal. Et puis outils en métal produit 2. C'est bien en fait hein, quand tu lis le tuto et que tu écoutes un peu ce que le jeu veut que tu fasses. C'est bien de faire des tutos, mais si tu ne l'écoutes pas et si tu ne le fais quand même à ta tête, ben, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Est-ce qu'on a moyen de faire des routes, des trucs dans le genre, jolis et tout? Pourquoi on ferait pas une cabane de chasse si c'est la sécheresse? Laissez-moi tranquille et faire ma cabane de chasse, non? Feu de camp, établissement, école, cimetière. Ah, chemin de terre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que mon cimetière n'est pas débloqué. Donc normalement... Je ne devrais pas avoir de trucs qui meurent. Normalement, on ne devrait avoir personne qui meurt. Avec nos outils flambant neufs, nous sommes prêts pour un travail efficace. Si vous tombez à court de métal, n'oubliez pas que vous pouvez toujours passer par la fabrique des outils à partir de débris. Ils ne seront pas aussi efficaces, mais c'est toujours mieux que de travailler à main nue. Très bien ça par contre, par rapport à d'autres jeux, c'est sympa. J'ai lu. On peut pas retirer les notifications comme ça quand on les a lues. C'est moche. Ça va me stresser. C'est pas bien d'avoir ça là. Je l'ai lu. À propos de précipice, nous avons le temps et les ressources nécessaires pour nous instruire. Nos enfants n'ont pas aussi... n'ont pas accès à d'aussi vastes ressources. Nous devrions construire une école pour leur transmettre nos connaissances et qu'ils puissent travailler plus efficacement. Bien. École. C'est fou qu'ils mettent l'école si tôt dans le jeu, je trouve. Oh, bah regardez. On peut mettre l'école juste là, entre les trucs. Sympa. Bon, comme si on avait fait exprès. Bon, elle est un peu trop étroite. Mais pourquoi pas? À côté de l'eau, c'est peut-être pas une bonne idée. On va la mettre là. Ça me paraît bien, là. Et on va devoir mettre une personne dans l'école. On met un enseignant dans l'école. Ce qui est bien, parce qu'en fait, j'ai plus personne à mettre dans l'école. Assigner un enseignant. Ouais, très bien, mais ce qui veut dire que pour assigner un enseignant... Ah non, attendez. Parce que on a 3 personnes qui travaillent là-dedans. Là, on a 4 personnes qui travaillent là-dedans, mais... Ah, il y a de l'eau maintenant de nouveau. Ah, elle est réapparue. Ok, l'eau est réapparue. Très bien. En plus de travailler plus efficacement, les personnes instruites sont plus soigneuses des outils et des équipements de protection. Ce qui les fait durer plus longtemps et permet d'économiser nos précieuses ressources. Sympa. Notre population commence à augmenter. Revenons aux sources de nourriture. Nous pêchons déjà les poissons et récoltons nos champs. Une cabane de cueilleurs va désormais permettre de récolter des champignons et des baies dans les bois à proximité. Entendu. Par contre, moi, j'ai plus personne hein, pour les mettre dedans. On n'a plus du... Ah si, quand même, on a récupéré du monde. Ok. Cabane de cueilleurs.
Voilà, cabane de cueilleurs. J'ai envie de dire... Est-ce qu'on n'essayerait pas de la mettre Est-ce qu'on n'essayerait pas de la mettre, j'ai envie de dire... J'aurais dit près du forestier, vous voyez. Mais en même temps, là, ils vont pour aller chercher les ressources, ils vont devoir aller perpète. Donc on va plutôt les mettre... À côté de la casse? Ça le fait pas non plus à côté de la casse, hein. Réchauffement climatique? Ouais, réchauffement climatique, je veux bien, mais... Près de l'école? Non, vous savez quoi, on va le mettre ici, on va le taper là. Voilà. Go. Et mettre deux cueilleurs dedans. Très bien. 2 sur 4. B produit 20, champignons produit 20. Nickel, allons-y. Et on va récupérer des champignons et des baies. Nice. Allez-y. Construisez-moi cette petite cabane, du coup. On peut mettre deux constructeurs. On s'en fout d'avoir des récoltes, il y a des gens partout. Donc voilà. Coucou Fred. Tu vas bien? On a voulu donner ton moment à Leïla, mais tu n'étais pas là. Très bien, comme vous pouvez le voir, la cabane de cueilleurs est une source de nourriture efficace et instantanée. Mais attention, après une sécheresse, il faut un certain temps avant que les plantes repoussent. Comme pour beaucoup d'autres bâtiments de production, vous pourrez modifier sa zone de travail par la suite. Ok, très bien. Même si tout va bien pour le moment, la survie dans cet environnement implique une planification méticuleuse. En mettant en place un verger, nous pouvons commencer à faire pousser des arbres qui donneront des fruits en quelques saisons. Très bien. Alors, attends, 2 secondes. Ce qu'on va faire, on va bouger la zone. On va déjà aller chercher tout ce qui est fruits ici avant de planter des choses dessus, mais des bâtiments dessus. Des vergers. Verger, de nouveau, en même temps, on s'est mis trop près. Lui, là, il est trop près. Lui, il a trop de bois. Ok. Allons voir les vergers. Si on mettait les vergers là. Six sur six. Ça m'ennuie ça, par contre. Lui, il est pas bien rangé par rapport à la route. Allez, 6 sur 8 pour le verger. Tout va bien. Et donc, on doit mettre quoi? Graines de champ choisi. On va mettre quoi comme graines? On n'a pas vraiment le choix, donc ce sera des noix de pécan. Pourquoi pas? C'est bien les noix de pécan. C'est plein de bonnes choses les noix de pécan. Donc on a 4 colons sans abri. Est-ce qu'ils vont me laisser faire une habitation? Ou pas? Ils vont me laisser faire une habitation. Donc on va remettre une habitation. Enfin, je propose qu'on la mette ici, mais on laisse un petit trou. Comme ça, on pourra faire une petite route. C'est plus sympa, je trouve, d'aérer quand même un peu les choses. Ah oui, mais regardez, en fait, ils nous disent pluie, et on va être de nouveau dans une période de sécheresse. Alors par contre, nous, on est où? On est là? Saison 12, oui, c'est ça, saison 12. Saison 13, ce serait une saison de pluie. D'accord, tout va bien. Graine de champ choisie? Ben, on l'a choisie, la graine de champ. Choisir. Voilà. Le verger est terminé et ces arbres vont commencer à pousser. Comme pour les champs, il faut du temps pour que les arbres soient pleinement développés. Mais dès qu'ils le sont, ils peuvent être récoltés plusieurs fois et le jeu en vaut vraiment la chandelle. On aurait peut-être dû faire un petit peu plus grand du coup pour les arbres. Notre cabane de cueilleurs récupère de la nourriture en provenant des forêts, mais aussi de plantes très précieuses existent. Ces plantes peuvent être cueillies avec des cabanes aux herbes. L'herboriste cueillera ces herbes pour que nous puissions les consommer et constituer notre santé. Donc maintenant, il va falloir faire la cabane aux herbes. On va, à mon ami, mettre à côté... nourriture... Non ? Alors, est-ce que c'est elle ? Bâtiment que... Voilà, c'est là. C'était dans quoi ?
ressources. On va le mettre en face, hein. Ou à côté, peut-être, plutôt. Comme ça, il se prend pas trop dans les ressources là-bas.